Et comme maintenant, avec l'école inclusive, même des enfants avec des problèmes, bah, c'est fini. Quand ils arrivent, ils devraient déjà apprendre l'anglais, l'allemand. Problème d'accès à la culture. Voilà. Et en plus, c'est l'entrée de première mondiale. C'est ça, oui. C'est vrai. Oui. Vous trouvez, vous, que c'est pas accessible la culture facilement? Franchement, il y avait Florent Pagny qui venait à Lille. C'était 70 euros la place. Et pour le jour de mes 70 ans, 70 ans, 70 euros. C'est honteux. Est-ce que quelqu'un veut nous présenter sa photo? Tu as choisi la meilleure table. On peut supposer que c'est un acte de racisme. Un entretien. Alors, un entretien, mais alors un acte de racisme, mais même pas assumé. Non, tu as dit. Voilà. Qu'il est noir, donc il ne désolé, mes clients n'aiment pas la couleur de votre cravate. Quand on cherche du travail, si on est près de la retraite, on est trop vieux. Si on n'a pas d'expérience, on est trop jeune. Et après, il y a aussi les sexistes. Ah non, les femmes, on les prend pas. C'est pas un boulot. Donc, c'est ça, très bien. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour les femmes, c'est pas facile. Non. Et 30% de salaire en moins, même si on fait le travail égal. Les frais de scolarité pour les enfants. Les familles qui peuvent pas se permettre de payer des études aux enfants. Par contre, d'autres, oui, avec ces enfants-là, ils ont peut-être plus de chances d'arriver facilement à des études supérieures que d'autres enfants qui viennent du milieu plus défavorisé. C'est pas parce que t'es vieux, bah, tu peux pas porter du lourd, quoi, non. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour toi, si on est vieux, on peut plus travailler. Je pense que c'est pour toi. À partir de quel âge qu'on est vieux? C'est bien. Non, mais c'est bien si elle le dit. À 50 ans, un patron, il va dire vous êtes trop vieux. C'est ça qu'on veut faire comprendre. À 60 ans, tout de suite, on aura du mal à trouver du travail. À partir de 40 ans, 45 ans, 50 ans, on est déjà vieux. Et les autres, pour travailler, c'est dur. Et c'est ça, en fait, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Voilà, tout simplement, où il entend mal. Voilà, où il entend mal, tout simplement. On se rend compte que c'est vrai que même le sigle pour les personnes handicapées, tu as toujours la personne avec le fauteuil roulant autour. Voilà, oui, parce que bon, bah, je pense que la personne handicapée, ouais. Tout de suite on m'a attrapé. Est-ce que vous avez la carte? Ouais. Comme il y a une vingtaine d'années. Si par exemple on m'avait dit. Océane, est-ce que tu avais des personnes handicapées autour de ta porteur de handicap autour de ta table? Peut-être que j'aurais dit non. Bah oui, alors que là, déjà, pas. Sans le savoir, il y a deux personnes. Il y en a déjà deux personnes. Pour le même travail. Pour le même travail, à compétences égales. Voilà. Leur salaire est 19% plus bas que celui des hommes. Qu'est-ce que la CARSAT? Ma chambre retraite. Ils se moquent de moi. Quelle administration, vous pouvez faire valoir le droit et saisir. Attention. Vous attendez la fin. Le procureur de la République, le député, le médiateur de la République ou le ministre de la Justice. Le procureur. Le ministre de la Justice. Le médiateur de la République. Non, mais il existe des médiateurs justement qui sont là pour régler les conflits. Il y a des discriminations. Et donc, au niveau local, donc à Rennes, quels sont les opérateurs qui interviennent dans l'aide alimentaire? La banque alimentaire, Secours populaire, Conseil du cœur, c'est la raison. En matière de logement, quels bailleurs sociaux se trouvent sur Rennes?
pareil, plusieurs propositions. Je vous dis les unes après les autres, vous me dites si oui, si non. Mais ils ont hésité. Oui. Ok. SIGH. Oui. Airbnb. Non. Habitat du Nord. Oui. Parthénor. Oui. SIA. Oui. Le château de la princesse. Non. Le château du roi. Non. Alors, depuis quand les femmes ont-elles le droit de voter? 1944, 1850. Ouais, 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 ouais. 44. Ah, moi, j'ai jamais une case qui manque. Depuis que j'ai le droit de voter, j'ai jamais raté un vote. Non, mais on s'est tellement battu pour avoir les droits de vote que maintenant il faut le faire. Et moi je dis que ça devrait même être une loi obligatoire comme en Belgique. Parce qu'on devrait payer celui à procès. Voilà. Ils cherchent des sous. Tout à fait. Les droits qui dépendent de la CAF sont le RSA, la prime d'activité, APL et AAH. Voilà. Le handicap est la cinquième cause de discrimination en France. Ah oui, le handicap. Non, de discrimination. Il y aurait quoi en premier? Déjà, il y a le racisme. Alors, ben voilà. Alors, c'est pas du tout la cinquième, c'est pas du tout la quatrième cause, c'est pas du tout la troisième, c'est la deuxième cause. La deuxième. C'est la deuxième cause. Ah, oui. Derrière le racisme. Ah ouais. Parce que quand il y a un enfant qui est handicapé qu'on le refuse à l'école, c'est pas logique, non. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il n'a pas le droit d'aller faire ses études. Après là, ça peut être un, voilà, ça peut être un autre débat. J'ai pas parlé de ça, en fait, j'ai parlé de ce qu'on fait déjà. C'est nous. C'est les meilleurs. Alors, on mange, on mange. Avez-vous toujours été libre de choisir votre logement et lieu de résidence? Donc si oui, on n'avancera pas. Si pas, on reste sur place. Chut. C'est bon? Êtes-vous propriétaire de votre logement? Si oui, vous avancez d'un pas. Sinon, vous restez sur place. Bon. Vos parents ou grands-parents sont-ils d'origine étrangère? Si oui, vous restez sur place. Sinon, vous avancez la porte. S'il vous plaît. Avez-vous des activités culturelles régulières, exemple sortie au musée, concert, voyage? Quand on dit régulière, c'est une fois par mois. Si oui, vous avancez d'un pas, sinon vous restez sur place. S'il vous plaît. Dernière situation. Avez-vous déjà été victime de discrimination liée au travail? Embauche, salaire, tâche. Si oui, vous restez sur place. Sinon, vous avancez d'un pas. Des fois, je balais la main. Bon. Voilà les situations. Maintenant, quelques questions pour vous faire réagir, et vous réagissez librement. Comment vous êtes-vous senti pendant le jeu? Individuellement et collectivement. Comment vous êtes-vous senti dans le jeu? À l'aise. Zen. Chanceuse. D'autres réactions? C'est gênant. Qu'est-ce qui vous frappe dans les positions finales de chacun d'entre vous? On se connaît tous. On est pratiquement tous à peu près du même milieu. Enfin,
chacun une histoire différente. Et est-ce qu'on les démérite en effort? On devrait tous être au même endroit. Ouais. Ben c'est très bien parce que c'est vraiment. Tu me tends la perche sur la question suivante. Considérez-vous que la position, la situation sociale des personnes reflète leur mérite? On est dans une question qui est liée aux représentations. Qui n'a pas entendu ce genre de croyance? Est-ce que pour vous c'est représentatif de cette situation de la société en général? Cette animation, ça s'appelle la marche des inégalités et des privilèges. Donc c'est pour vraiment situer les écarts, parfois. Voilà, merci de votre participation.